Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun. Pendant que vous allez à l'école pour étudier, il y a des gens qui vont là-bas pour vous traumatiser. C'est pourquoi on vous dit, quand vous allez à l'école, faites très très attention, priez avant d'y aller. Sinon, si ce sont vos enfants que vous envoyez à l'école, priez pour vos enfants. Ou apprenez-les à prier et renseignez-les bien sur l'existence du monde des ténèbres et tout ce qui s'y passe. Sinon, ils risquent d'être surpris par qui? Par la sorcière sirène. Mais regardez! Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ha! Elle s'est déguisée en une étudiante pour aller à l'école là-bas pour perturber la vie des gens. Elle est en mission. Ah! Et une de ses filles l'a rencontrée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Que s'est-il passé? C'est ce qu'elle va tout nous expliquer ici sur mes témoignages et des révélations. Écoutons ça. Ben, moi aussi, j'ai envie de raconter un truc que j'ai vécu, car moi, je suis encore élève. Je suis élève et j'ai vécu une scène à l'école, parce que c'est en classe de terminale. J'ai vécu une scène, c'était, je peux dire, 3 mois après que l'école ait commencé. Un jour, nous sommes en classe. C'était un mardi, nous sommes en classe. Subitement, une élève arrive avec une autre surveillante de secteur. Oui, c'était une fille. Elle arrive, une fille que je ne peux pas donner le nom, quoi. Elle arrive en classe, elle se présente, et puis le surveillant dit, c'est vous que camarade, elle est nouvelle. Du coup, comme dans une salle de classe, on s'aime de toujours les rangées. Il y a la rangée des filles de Bastos, la rangée des filles du village, la rangée des gens qui sont faibles, la rangée des gens qui aiment trop l'angoisse. Du coup, tout le monde discutait que non, viens t'asseoir ici, viens t'asseoir ici, viens t'asseoir ici. Là. Du coup, elle est partie à la rangée des intelligentes. Et nous, moi, je suis à la rangée où il y a le désordre, où on s'en va les balles et tout ça. Vu en classe, on a une de nos camarades. Bon, elle est constamment comme si elle était trop malade, un truc comme ça là. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Notre camarade se lève et puis elle dit, je me sens pas bien dans la salle de classe là. Je me sens pas bien. Comme on l'appelait souvent Thomas. C'est là qu'on dit, mais Thomas, toi tu as aussi commencé, tu veux aussi faire quoi comme ça là? Je ne te sens pas bien, mais reste chez toi. On commence à l'envoyer les balles. Elle dit, en tout cas, je vous ai juste dit, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant qu'elle parlait comme ça, là, il y avait un froid qui passait en classe. On avait franchement froid. On avait bien froid. C'est là qu'il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vu que la fille qui est arrivée est partie s'asseoir à côté de la fille qu'on appelle Thomas en classe, et s'est assise là, deux. Donc apparemment les esprits ne donnaient pas quoi, ça ne donnait pas entre eux. Mardi, comme elle est venue mardi, mercredi là, elle est quittée la rangée parce que le matin elle est arrivée, elle est quittée la rangée là. J'étais assise, comme je suis assise avec ma meilleure amie et de l'autre côté à ma camarade, elle était assise seule. Subitement le matin, quand j'arrive, elle est déjà assise de la côté de ma camarade. Et ma camarade, comme je suis dans le courager, elle est dans le courager et il y a un vieux vide là. Donc je crois qu'on était un peu plus rapprochés. Je lui demande que, mais pourquoi tu quittes la rangée là pour venir t'asseoir ici là? Après, elle dit non. Là, elle ne se sent pas à l'aise là-bas. Elle veut rester avec nous. Elle veut rester à la rangée où ça bouge un peu trop. Il y a le mouvement et tout ça. Et j'ai dit, ah, ça la bienvenue. Mais malgré que nous on fait le désordre, mais nous nous sommes concentrés. Donc du coup, faut pas juste te baser sur le désordre et concentre-toi. Elle a dit, ok. C'est en classe, entre nous les camarades, on vient avec des miroirs, des trucs et tout ça. Subitement, le mercredi, là, le prof n'est pas venu. Le prof n'a pas fait cours. Du coup, on se regroupe souvent pour des causeries entre camarades, des trucs comme ça, là. J'étais couché sur mon banc, je dormais et notre chef de classe était assis derrière. Ils se sont regroupés avec cette fille. Parce que j'étais au nombre de 4, oui. Parce qu'il y avait aussi 2 garçons. J'étais regroupée en train de taper les commentaires. La fille a commencé à dire. Elle a, subitement, la fille a commencé à parler des mamies Ouattara. Elle a commencé à parler des mamies Ouattara. Oh, si vous voulez voir les mamies Ouattara, moi, je peux vous faire voir les mamies Ouattara et tout ça. C'est là que, subitement, je me réveille, je regarde la fille.
Et puis, je lui dis, vous êtes déjà à ce niveau, vous parlez de mamie Ouata, faut pas venir faire peur aux gens là, car tout le monde n'est pas contre, je me recouche encore. Je n'avais même plus sommeil, j'étais couchée, je ne voulais pas croire que la langue causerie, mais à chaque fois qu'elle racontait, ça attirait toujours mon attention, ça attirait toujours mon attention. C'est là que ma camarade qui était assise à côté d'elle, dit, ok, moi j'aimerais bien voir quand j'essaie que ça n'existe pas, je dis, ok, ce n'est pas un problème. Notre chef de classe était assis derrière, il dormait, subitement il se réveille après, il dit, c'est ce que vous faites souvent ici là. Quelqu'un vient être fini de localiser vos esprits. Elle raconte des trucs, elle vous dit, et vous croyez aussi. Quand quelque chose va arriver à quelqu'un ici en classe, arrêtez seulement vos histoires que vous racontez. Vous ne pouvez pas vous asseoir et parler. Vous pouvez encore que vous causez, mais encore vous racontez des choses, des gars, que de parler des trucs comme ça. Là, arrêtez ça. C'est là que mes camarades ont commencé à mal parler au chef de classe. Que, oh, je veux qu'on montre que tu es là. Donc, je dis, ok, c'est toujours comme ça qu'on vous avait dit, vous ne comprenez pas. Moi, je ne sais pas si lui, il avait vu ce qui allait se passer, je ne sais pas. Le lendemain, nous sommes en classe en train de faire cours. Avant ça même, avant le lendemain, là, presque à la sortie, là, j'avais mon miroir, je me suis mirée avec. Je me suis mirée, j'ai remis ensemble. Après, elle pose sa main sur ma cuisse, elle me dit, mais tu t'es mirée avec un miroir. Je dis, oui, je me suis mirée. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit, non. Ok, passe un peu ton miroir. Je lui donne mon miroir. Elle ne s'est même pas mirée, vu que lorsque je lui ai remis le miroir, elle a pris le miroir au moment de placer le miroir devant elle qu'elle veut se mirer. Elle a sursauté. C'est là que j'ai fait comme si je n'ai pas vu, parce que ça a un peu attiré mon attention, mais tout le monde était distrait, mais ça a attiré mon attention. J'ai fait comme si je n'ai pas vu. J'ai recommencé à ranger mon sac, quoi. Elle m'a guettée, parce qu'elle m'a guettée voir si je lui regardais, mais j'ai fait comme si je lui regardais pas, comme si je n'avais pas son temps. J'ai rangé mon sac. Elle reprend encore le même miroir, là. Elle va encore placer comme ça pour regarder. Elle se saute encore. C'est là que je me retourne. Je dis, c'est quoi? Tu as quel problème avec le miroir là? Après, elle dit, non. J'ai sauté parce que j'ai un truc qui m'a un peu fait mal au niveau de la côte là. Donc, du coup, la rate, machin. Je dis, ok, s'il te plaît, passe mon miroir parce que moi, je suis en train de rentrer sur le miroir que moi, je me mets avec et tout ça. Au moment qu'elle me passe le miroir, je n'ai même pas pu toucher le miroir avec mes mains. Le miroir a glissé, c'est tombé, ça s'est cassé. Ça s'est cassé complètement, à mi déjà que je ne pouvais plus récupérer une partie que nous, je vais me mirer avec. Donc c'était à mi, j'ai regardé le miroir. C'est là que mes camarades se disent que vous nous avez à casser le miroir de l'angoine. Vous allez payer le miroir, là, payer le miroir. Je dis que c'est mon miroir. Si ça s'est cassé, laisse. Elle a ramassé les miettes. Elle me dit non, je vais te redonner un autre miroir demain. Après, elle a pris les miettes. Elle a pris les miettes, elle est partie avec. Bon, j'ai dit, ça s'est cassé. Elle m'a dit que non, laisse, c'est moi qui ai cassé, ne touche pas, il va aller jeter. Elle est partie avec le miroir. Le lendemain, nous sommes en classe, en train de faire cours. Car la dame qui nous donnait cours à l'heure là, c'est une dame vraiment qui croit en Dieu. C'est une dame vraiment, je peux dire quoi. Elle voit et elle connaît qui est en classe. Parfois, quand elle arrive, elle dit, toi, cesse de faire ce que tu fais là. Ou toi, arrête ça. Le matin, quand elle a vu qu'au portail, on nous fouille. Et je vous assure que même nos conseillers de secteur, lui-même là, il n'est pas facile. Il n'est pas du tout facile. Parce que le matin, quand on arrive, on nous fouille. Donc, en fait, comme elle avait dit à ma camarade qu'elle lui montrait les mamies Ouata et tout ça, elle est venue à l'école avec deux boules. Le surveillant, notre surveillant de secteur, quand elle entrait au portail, le surveillant de secteur lui dit, c'est le surveillant de secteur parmi ceux qui fouillent au portail. Lui dit, mais laisse ton esprit là, dehors, quand tu es ici à l'école, tu élèves. Quand tu es dehors, tu peux récupérer. C'est là que la fille rit. Elle dit, qui est monsieur? Parce que j'étais là quand le surveillant lui dit ça. Elle dit, qui est monsieur? Laissez quoi? Le surveillant m'a fouillé, on lui a fouillé, le surveillant a vu les deux boules. Il a dit, c'est pour faire quoi? Elle a dit, c'était les boules, ça ne ressemblait à rien, ça n'avait pas de sens, je ne sais pas comment dire que ça n'a pas de sens. C'était à rien, c'était déjà le boule que tu peux croiser en route à Caen, ou même un enfant peut jouer avec. Ça n'a pas de forme, c'était comme ça là. Le surveillant, je l'ai dit, ok.
Elle a juste, je me souviens que non, c'est juste son remède, quoi. Quand elle a mal, elle peut tirer par le nez, machin, cru. C'est un jeu qui est en train, pas en classe. Elle est en train de faire cours. Elle arrive en classe comme d'habitude. Elle s'est assise là, elle m'a salué. On a commencé à causer, elle m'a dit, elle m'a demandé que comment j'ai dormi. Je dis que non, moi j'ai bien dormi, je me porte bien. Elle me dit, ok, c'est important, tu dois te porter très bien. Subitement, ça n'a même pas fait 20 minutes. Le parent de ma camarade à qui on devait initier, parce qu'il y avait trois personnes qu'on devait initier. Moi qui étais à côté d'elle, ma camarade qui a demandé à voir, et mon camarade qui a dit qu'il ne croyait pas à ça. Et une autre fille qu'on devait aussi initier, mais mon camarade, lui, on devait lui tuer. Parce qu'apparemment, lui, il avait aussi l'esprit, son esprit était aussi un peu plus fort que par rapport à l'esprit de la fille, en fait. Le surveillant arrive avec le parent. Subitement, le surveillant, hein, parce que le parent est resté au bureau du principal, le surveillant appelle la jeune fille, appelle ma camarade, appelle l'autre fille et l'autre garçon, mais moi, on ne m'a pas appelé. Ils arrivent au bureau, ils commencent à parler, je ne sais pas ce qu'ils se disaient là-bas, ils reviennent tous en salle avec le principal. Nous sommes en salle, on voit comment ils arrivent. On était étonnés. Le surveillant dit à la fille, va prendre ce qu'il y a dans ton sac. La fille grille et dit qu'il me surprend, que moi j'ai rien dans mon sac. Il dit que apporte-moi ton sac. On retient, on voit les boules là. Elle dit non, c'est son remède. Après, le papa de la fille à qui on devait initier, là, qui a dit que non, elle voulait voir. Son papa arrive et il dit, lorsque j'ai prié le matin, parce que c'est un pasteur, il dit lorsque j'ai prié le matin, j'ai ressenti que ma fille et ses camarades étaient en danger, que toi, où tu es placé là, tu sais très bien que tu n'es pas humaine et que tu es venu pour une mission. Tu es là pour les initier. C'est là que le pasteur lui dit que je ne suis pas là pour te nuire, je ne suis non plus là pour te faire du mal, mais j'aimerais que tu te mettes à parler, que tu parles franchement. La fille a commencé à parler que non, elle est restée accrébée parce que c'est une crébienne, elle est accrébée et elle est sortie de l'eau. Car c'était parce que c'était au creux de la fin du mois comme ça là, elle est sortie de l'eau. Car il y a un nombre de personnes qu'on lui a demandé et tant qu'elle n'a pas encore atteint ce nombre de personnes, elle ne peut pas. Que où elle est là, elle a l'apparence, donc elle est sirène quoi, elle n'est pas humaine comme nous. Et qu'elle peut se transformer quand elle sort là, elle n'est plus humaine. Quand on regarde au registre des inscriptions, il n'y a pas son nom. Elle ne s'est pas inscrite. On ne sait pas par comment elle a fait pour avoir la tenue, mais elle est là et elle a les reçus. Parce qu'elle est passée par la caisse, elle a payé, elle a les reçus, elle a tout. Mais elle est là. C'est là qu'elle dit que non, le projet c'était d'initier la fille. Il repartit avec elle à Kribi, initier l'autre fille. Mais avec le garçon, c'était lui faire voir les sirènes. Elle devait se transformer en sirène en classe tard, peut-être après les cours. Et quand le garçon allait rentrer, il allait faire un accident sur la montée, en cri sur le camion et il allait mourir. Il était le seul à mourir parce que le motoman, lui, n'allait pas mourir, c'est lui qui allait mourir. Mais on avait peur, nous sommes restés comme ça. C'est là qu'elle se retourne, elle me regarde, elle me dit. Il faut, après, elle me dit, tu es tellement chanceuse. Pourquoi? Parce que le miroir dont tu m'as remis là pour me mirer, je ne pouvais pas. Ça s'est cassé parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un te protège. Et soit vraiment. Après, elle m'a dit, il faut beaucoup prier. Car tu es une fille vraiment bien encadrée. Tout le monde te protège. Les prières de ta mère et tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas pu t'atteindre. J'ai voulu t'utiliser. Car d'un côté, tu pouvais m'aider, de l'autre côté, c'est là que le pasteur lui dit que d'un côté, tu pouvais t'aider parce que d'un côté, tu as envie de laisser ce que tu es en train de faire là. Et c'est elle qui pouvait t'aider. Et de l'autre côté, tu continues toujours à faire du mal aux gens. Après, elle a dit, elle a pris, le pasteur lui a dit, bon, moi, je ne suis pas là pour te nuire. Arrête ce que tu as envie de faire là et laisse ma fille tranquille. Le pasteur est rentré. Le principal a demandé qu'elle revienne avec ses parents.
Le lendemain, elle est revenue avec un monsieur mince. C'est qu'est-ce qui me fait même rire. Elle est revenue avec un monsieur. Quand on nous appelle le bureau, la jeune fille a tout nié. J'ai dit, elle a tout nié. Elle n'avait pas de boule, elle n'avait rien parce qu'il y avait la gendarmerie à l'école. Elle a tout nié qu'elle n'a rien dit. Mais malheureusement pour elle, le surveillant du secteur a fait le dieu. Parce que lui, il a enregistré tout ce qu'elle disait. Elle a complètement nié qu'elle n'a rien dit. Elle a dit au principal que moi, je ne vous ai rien dit, monsieur. Vous confondez, je ne connais pas tout ce que vous racontez là, je ne connais pas. Donc, c'était le genre qu'on a encore appelé le père de la fille qui est pasteur là. Lorsqu'on nous a amenés au bureau pour raconter l'histoire, le monsieur en fait te regarde dans les yeux. Il te contrôle l'esprit, le genre que tu bégayes, les mots ne sortent pas, tu ne parles pas, tu as froid. Les autres qu'on n'arrivait pas à parler, quand je suis arrivée, le monsieur m'a regardé. Après, il me dit, ma fille, j'espère que ce que tu diras, ce qui sortira de ta bouche là, j'espère que c'est une vérité, car si c'est le mensonge, sois en sûr que tu vas y couper. C'est là que le pasteur se lève et dit que tu ne peux rien lui faire. Où elle est placée là, elle là, tu ne peux rien lui faire. Parce qu'elle, elle n'a pas l'esprit comme tout le monde. Elle, tu ne peux rien lui faire, donc reste tranquille. Lorsque j'ai commencé à parler, le monsieur me fixait, il me regardait, j'avais froid. C'est là que le pasteur là se lève, il arrête ma main, il me dit, tu crois en Dieu? Je dis, oui, je crois en Dieu. Après, il me dit, respire, ok. N'aie pas peur, rien ne va t'arriver. Laisse le froid qui est en train de t'accraper là. Comment tu es en train de trembler là? Laisse. Il ne peut rien faire. Ne les fixe pas. Raconte. Aie confiance. C'est que le Seigneur est là. Et il ne va rien te faire. On a commencé à raconter. Au final, la gendarmerie et ils sont partis. On a exclu la fille. Deux jours après, nos camarades restent. Comme elle reste au niveau de la poste avant de venir à l'école. Elle voit comment quelqu'un est devenu folle et chier. Elle demande que, mais quand elle se rapproche, elle constate que non, c'est notre camarade là. Deux jours après, elle est devenue folle. C'est là qu'elle est venue nous dire en classe que non, mais j'ai vu notre camarade et elle est devenue folle. Je n'ai pas pu raconter l'histoire là à ma mère. C'est samedi que ça me croublait. J'ai directement écrit à mon oncle. J'ai dit à mon oncle que, parce que mon oncle, lui, c'est aussi un homme de Dieu, comme ça, des prêtres. Je lui ai dit non, mais tonton, j'ai envie de te parler. J'ai un truc qui me couble. Après, il me dit, depuis que j'ai attendu ce moment que tu viennes me parler, parce que je ne voulais pas venir de moi-même. Et pas besoin que tu racontes, car je connais déjà. Après, il m'a dit, attention, tu as arrêté de prier et continue à prier. Continue à prier. Et lorsque tu entres dans ta salle de classe, avant de mettre le pied au sein de la porte, dis juste que Seigneur, je sais que tu es avec moi. Comme j'entre là, je vais sortir tranquillement, sans problème. Bon, tout ce que je peux dire maintenant, tout ce que je peux dire, mes chers amis, surtout à nous qui sommes encore au banc là, nous qui sommes encore les élèves, s'il vous plaît, faites attention. Ces gens que nous appelons amis, camarades là, ne sont pas franchement ce qu'on pense. L'amitié ne peut pas sortir nulle part comme ça là. Franchement, chers camarades, faites très très attention car de dehors, ça ne blague pas, oui. Ça ne blague pas. Parce que si le père de ma camarade ne venait pas, en ce moment là, je ne serais pas en train de vous raconter ça. Eux non plus ne sont pas là en vie. C'est que je sais pas, c'est que nous sommes déjà peut-être mortes. Donc, faites très attention. Et parmi nous, entre camarades, il y a les esprits et les esprits. Deux de nos camarades ont essayé de nous prévenir. Mais on a négligé. Mais heureusement que nous disons toujours que lorsque tu crois en Dieu, Dieu ne t'abandonne jamais. Et je remercie vraiment le Seigneur car je lui rends gloire. Je lui dis franchement merci. Car ce jour-là, il nous a franchement protégés. Il nous a protégés. Et je lui dis merci pour ce miroir qui s'est cassé. Car je ne sais pas si je prenais ce miroir que je me mirais, ce qui allait se passer. Je ne sais pas, mais je dis juste merci à Dieu. Bon, c'était ça mon histoire. J'espère venir après.
Wow, ça c'est vraiment un très grand témoignage. Vous devez absolument partager cette vidéo à tout le monde, même à vos enfants. Soyez très vigilants. Bien, nous allons écouter une autre femme qui a des choses à nous dire. C'est parti. Et aujourd'hui, j'ai une histoire que j'ai vécue. Ça fait à environ 2 semaines. 2 semaines. Et c'est l'histoire de ma camarade. Elle m'autorise à raconter cette histoire. Voilà, faut dire que ma camarade, ma copine, on se connaît depuis la terminale. Depuis la terminale, et on est resté de bons amis. Jusqu'aujourd'hui, on est encore dans la même église. Et on a eu la grâce d'être dans une église où Dieu vraiment guérit, Dieu révèle des situations, on voit Dieu décanter des situations à chaque fois. Mais ma camarade a un souci. Elle a un problème spirituel. Elle n'arrive pas à se marier. Quand elle rencontre quelqu'un, la personne l'aime, la personne est bien, mais au bout de 2 mois, c'est fini. Souvent même 1 mois, il y a des séparations bizarres qui apparaissent et puis ça se passe toujours négativement. Donc, à chaque fois, elle a 35 ans. Elle vit encore chez son frère. Son frère qui est marié, bien sûr, qui a des enfants. Donc, elle est gênée, en fait. Rien ne va dans sa vie, c'est compliqué. Donc, toujours, elle me dit, mais tu sais, ma soeur, on vient, mais moi, quand Dieu révèle des choses sur moi, là, il rentre pas en profondeur. Entends, voici ce que je vis. Donc, moi, je suis découragée. Et à chaque fois, je suis obligée de lui remonter le moral pour lui dire, ah, ma soeur, tu sais, laissons Dieu faire. Chaque chose a son temps. Dieu est capable. Laissons Dieu faire. Donc elle se plaignait, puis de plus en plus elle devenait triste. Quand on finit le culte, on s'en va à la maison, elle est triste. Moi, elle m'appelait, vous au moins, si on vous drague, pour moi c'est compliqué. Pour moi, il dit, ça va aller. Il dit, ça va aller, t'inquiète pas, Inès, ça va aller. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et les dimanches qui ont précédé ce que je vais vous dire, quand elle venait à l'église là, elle était, franchement, elle était cassée. Elle était cassée. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à chercher des solutions ailleurs. Elle est partie sur les réseaux sociaux. Quand on dit il y a un voyant ici, il y a un prophète, il y a tant, 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 elle va là-bas. On dit, oh, ici là, lui il guérit, il fait tant, 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 elle va là-bas. Et lui là, quand tu le vois naître le lendemain, tu voyages, elle va là-bas. Elle a commencé à se promener, elle a commencé à aller elle partait partout en fait. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur le compte d'une dame sur Facebook. Et la dame, on l'appelait maman quelque chose, je vais dire son nom. Elle est soignée. La dame soigne, on dit que c'est des astuces naturelles du moins qu'elle fait. Donc elle s'est dit, bon, si c'est des astuces naturelles, il n'y a pas de souci. Donc je vais aller voir la dame, peut-être que ma situation va changer. Et c'est comme ça qu'elle va chez la dame. La dame aussi à Abidjan, précisément dans le quartier de Port-Boué. Et elle va chez cette dernière-là. La dame lui dit, ah, bien, bon, merci d'être venue et tout. Mais ici, tu es venue, il faut savoir que c'est ton terminus, parce que quand tu vas ressortir, tu vas te marier, tout ce que tu veux, tu vas avoir. Je fais des astuces naturelles, certes, mais je suis aussi une dame commune. Voilà, et que c'est les génies qui m'ont donné leur puissance et tout. Et que moi, ce que je vais te demander, il faut que tu me donnes le sang humain de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ou bien quelqu'un de ton entourage, une amie, peu importe, mais arrange-toi pour m'envoyer le sang humain. Parce que le pacte qu'on va faire là, pour que les hommes te courent après, pour que tu puisses te marier, il faut impérativement le sang humain. Elle dit, mais moi, je suis venue ici parce que ça parlait d'astuces naturelles, les plantes et tout. Mais ce que je me demande là, c'est mystique, ça. La dame dit, ah, mais tu as déjà mis les pieds ici. Ici, quand tu viens, toi, tu fais ce que je te dis, ou bien toi, tu n'as pas, de toute façon, tu n'auras pas le temps. Et c'est comme ça que je vous assure. La dame a commencé à dire des choses. Donc, elle a fait semblant, puisqu'elle avait peur, elle a commencé à prendre peur. Donc, elle a dit à la dame, ok, il n'y a pas de souci. Elle dit, il n'y a pas de souci, madame, je vais tout faire pour vous envoyer. Et puis, elle est partie. Donc, quand elle est partie, la première chose qu'elle a faite, elle a bloqué la dame. Elle a dit, oh, si je la bloque, peut-être que... Donc, la dame a su qu'elle avait bloqué. Et c'est comme ça qu'elle va appeler mon amie Inès. Inès ne répond pas. Elle lui laisse un message. Elle dit, tu sais, tu es venue me voir. Et moi, quand on vient dans ma maison, ici, là, il y a déjà des génies.
y a déjà des démons qui ont pris acte de ce que tu as dit. Tu as pris l'engagement d'accepter d'envoyer le sang humain. Moi, ce que je vais te dire, si tu n'envoies pas, je te donne une semaine, tu vas perdre la vie. Ah! Quand ma camarade a commencé à prendre peur, trembler, quand elle a lu le message, elle est même allée débloquer la dame pour lui demander pardon. La dame ne répondait pas. Elle a fait des messages, pardonnez madame. La dame ne répondait pas. Et le lendemain, elle a commencé à chauffer, à avoir une forte migraine. Et chose bizarre, il y a des taches qui ont commencé à apparaître sur elle. Elle a commencé la diarrhée. Elle-même, il faut dire qu'elle n'est pas grosse, c'est natif. Mais elle a commencé à s'amaigrir encore plus. Et elle cachait cette histoire-là parce qu'elle avait peur d'en parler à quelqu'un et tout. Donc une fois, elle m'appelle, elle qui n'aimait pas participer au cul d'histoire et consort. Elle m'appelle, elle me dit, ah, je vais aller au cul d'histoire aujourd'hui. Je dis, ah bon, comment, ah, ça me fait plaisir. Donc il faut participer vendredi. Moi, je ne pourrais pas, mais je vais. De toute façon, je vais regarder le direct. Et c'est comme ça qu'au cul d'histoire, comme Dieu l'aime, Dieu va régler sa situation. L'homme de Dieu a dit, mais je vois une dame derrière toi qui s'est juré de te tuer. Parce que si tu comprends, c'est comme si ils ont mis que dans le monde spirituel qui est recherché. Et que cette dame-là même a même une seringue. Elle veut t'injecter ça. Elle a commencé déjà à te rendre malade, mais elle veut t'injecter la substance qui est dans la seringue. Une fois qu'elle le fera, tu auras le VIH et tu vas mourir rapidement. Parce que ça sera la phase terminale. Et l'homme de Dieu, quand il a dit ça, elle a commencé à pleurer, elle a dit, oui, papa, c'est vrai, je suis à l'église ici, mais tellement que ma situation de mariage, ça fait longtemps, tout est difficile. Bon, donc j'ai commencé à m'orienter un peu à eux. Et je pensais que la dame travaillait de façon naturelle, mais voici ce qu'elle m'a demandé, tout ça. Mais tout le monde était choqué à l'église. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a prié pour elle. Il lui a dit d'abord, demande pardon à Dieu. Elle a demandé pardon à Dieu. Il a prié pour elle. Et la maladie est partie aussi. Les tâches, je vous dis, comme si c'est quelque chose de vraiment ça a disparu. Et ma camarade, elle m'a dit, franchement, ma soeur, quelle que soit, même si Dieu ne m'accorde pas ce que je veux, moi je ne laisserai jamais la main de Dieu parce qu'on ne sait pas où on va. Donc je raconte que toi, tu sensibilises tout le monde, les jeunes hommes. Les jeunes filles, tu peux être un jeune homme parce que peut-être ta taille, tes amis travaillent, toi tu n'as pas d'argent. Tu vas partir voir quelqu'un, tu vas dire peut-être que c'est des astuces naturelles. Mais tu es en train de vendre ton âme comme ça. C'est une jeune fille, si le mariage tarde, franchement, je t'encourage à attendre le temps de Dieu. Tu vas partir X se marier ou Y, que toi aussi, forcément, tu vas te marier à l'instant T. Dieu a un plan pour chacun. Évitons de mettre les pieds un peu partout. On ne sait pas où on va. Et il faut dire que le monde est devenu très, très bizarre. Donc, que ce soit ta religion musulmane, que chrétien, quelle que soit ta religion, franchement, reste attaché à ton Dieu. Ne nous promenons pas. Donc, c'était mon histoire d'aujourd'hui. Merci et puis bonne journée à tous. Waouh, c'est extraordinaire. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé. Bien, nous allons écouter encore le témoignage. C'est parti. Je souhaiterais raconter mon histoire, une histoire qui m'est personnellement arrivée alors que je n'étais qu'en classe de quatrième. Et mon souhait est que cette histoire aide en particulier la sœur qui a lancé son cri d'alarme par rapport au fait qu'elle avait un serpent dans le ventre et qu'en général, qu'elle aide... qui en a besoin. Alors, mais avant, je tenais à dire quelque chose parce qu'elle a signalé qu'elle ne connaissait que Dieu. De ce que je sais et ce que j'ai fini par comprendre et me dire, je n'ai peut-être pas la science infuse, mais j'évite de discuter des sujets que je ne connais pas. J'évite de prendre position dans des choses que je n'ai pas étudiées. Surtout sur la religion, sur les croyances. De manière brève, je ne pourrais pas, à mon sens, porter un jugement sur l'islam, par exemple, parce que je ne connais rien de cette religion.
Parce que je pense que si ce n'est peut-être pour vous me direz que oui, on peut en parler parce que les expériences des autres, mais les expériences des autres ne nous emmènent pas à généraliser. Elles nous mettent la puce à l'oreille, nous apprenons, mais ce ne sont pas des vérités absolues. Et à travers cette histoire, j'ai compris qu'il fallait vraiment, réellement avoir sa propre expérience pour mieux comprendre souvent les choses. Alors, je suis gabonaise, de confession religieuse catholique à la base. Et mon enfance a été une très belle enfance, je suis d'une famille nombreuse. J'ai eu une très belle enfance, je me suis amusée comme un enfant de mon âge. Mais il va se passer beaucoup de choses mystiques dans ma vie, beaucoup plus que dans la vie de mes frères et sœurs. Je vais vous laisser cette partie et m'attarder sur l'histoire du serpent. Alors à 14 ans, alors que j'ai été beaucoup persécutée par des entités, par des personnes, et précisément un parent maternel, un ou des parents maternels, je me faisais suivre par des prêtres. J'étais en fait entre l'église, les tradis praticiens et l'école, parce que mes parents sont des personnes croyante. Mais mon père et ma mère ont toujours dit qu'ils feraient tout. Ils peuvent tout négliger, mais ils ne peuvent pas négliger la santé d'un de leurs enfants. Ils feraient tout. Ils seraient capables de partir partout pour tenter de sauver la personne. Et c'est ce qu'ils ont fait me concernant. On allait à l'église, passer des séances d'exorcisme et tout. Mais laissez-moi vous dire que tout ce mélange-là de croyances n'ont jamais rien changé à l'attachement que j'ai pour Dieu, à ma connaissance de Dieu, à ma conscience de l'existence de Dieu, à mon amour pour Dieu. Ça, j'en suis convaincue. Et c'est alors que ce soir-là, je me faisais suivre par un prêtre du côté d'un quartier de Libreville. Les Gabonais et ceux qui sont déjà passés au Gabon sauront. Likwala, il y avait un prêtre exorciste là-bas, très réputé. Et donc, il me donnait des chaînes de prière à faire à 3 heures. Je note aussi ici, parce que après c'est un penchant de la morale, que j'étais une enfant très peureuse. J'étais très peureuse jusqu'à ce que je puisse avoir mon fils à l'université. C'est mon fils qui m'a enlevé toute peur parce que j'ai compris que là j'avais donné la vie et qu'il fallait vraiment être une lionne, sinon vous alliez être bouffée. Sinon j'allais être bouffée dans cette vie, dans ce monde. Alors, j'étais très peureuse. J'avais peur de tout. Et j'avais des visions. C'est en grandissant que j'ai compris que c'était des visions. Mais ma famille, avant, ne me comprenait pas. On disait toujours que oui, j'étais bizarre. J'étais le genre d'enfant. On m'appelait Esperanto, petit commissionnaire. Je suis dans la lune, mais je travaille très bien à l'école. Parce que j'ai toujours peur. J'entends des voix. Je vois des choses bizarres. Et du coup, Je connaissais Dieu, j'avais cet amour de Dieu parce que j'étais née dans cet environnement ecclésial-là. Alors, je fais ce jour-là la prière, il y a des bruits bizarres tout au long de la prière. Je prends déjà peur. En grandissant, maintenant, je peux dire en fait que je comprends pourquoi cette situation s'est passée. J'ai eu peur, donc. Ma prière, je la récitais juste, mais beaucoup avec de la peur en fait.
parce que les bruits étaient étranges. À l'époque, notre maison, elle était en planche et donc il y avait de ces bruits. C'est comme s'il y avait des personnes derrière, dehors, qui grattaient les murs pour m'empêcher en fait de prononcer les paroles spirituelles, les paroles pleines de puissance en fait. Mais je continue de faire ma lecture parce que c'était des prières écrites. Une fois je termine, les bruits s'arrêtent aussi. Et moi, j'aime bien dormir en fait sur le bout ou l'autre bout du lit qui donne vers le mur. J'aimais bien me coucher à ce niveau-là. J'aimais bien que le dos touche le mur. C'est ainsi que, une fois j'ai posé mon corps, je me suis allongée, j'ai ressenti quelque chose rentrer en moi. Mais je savais c'était quoi, c'était un serpent. Parce que c'est la première fois, je ne savais même pas que les serpents mystiques existaient et tout. J'avais vu un serpent réellement vivant, mais je faisais... En fait, quand le serpent est rentré, j'ai senti sa présence. Et j'ai senti quelque chose vraiment qui bougeait comme la sœur décrit. Ça faisait très mal. J'ai passé ce jour-là de 3 heures jusqu'à 14 heures de douleur. Je n'étais pas allée à l'école. Je me tordais tel un serpent. Je criais de douleur. Mais c'est en ne sachant pas comment faire. Dans la même période, il y avait un travailleur praticien qui nous suivait depuis un bon bout de temps parce qu'il avait traité une de mes sœurs, qu'on a fait appel. Et quand on a fait appel, quand il m'a touché, n'importe qui pouvait juste toucher, me toucher sur les côtes là, vous deviez ressentir comment le serpent bouge. Vous deviez ressentir la grandeur du serpent, l'épaisseur et tout ça. Et donc, il dit à mes sœurs que ça, c'est le Bumba. Donc, chez moi, on avait des voisins. On avait des voisins et c'était des Pongouais. Et c'était des voisins, vraiment, on a grandi ensemble. Et depuis, quand j'étais petite, on avait toujours un problème. On s'entendait hyper bien, mais sauf sur un plan, celui de la barrière. Lorsque mes parents tentaient de faire une barrière, ils se posaient, soi-disant, on bouffe leur terrain. Ce n'est que l'année passée qu'on a pu résoudre ce problème parce qu'on allait en justice et on a gagné. Et là, il y a la barrière. Et le monsieur va dire en fait que ce sont les voisins, parce qu'ils étaient aussi ancrés dans leur rite. Et dans mon quartier, et je pense que c'est un peu partout comme ça, le quartier a toujours des histoires, les familles ont toujours des histoires, des totems, des protections. Et eux, leur protection, un de leurs génies était un Bumba, c'est-à-dire un serpent mystique. Ce qu'il faisait pour eux, je ne sais pas. Mais il a dit que j'avais prié à une heure où le serpent sortait, sillonnait. Et avec du recul maintenant, je peux me dire que si ce serpent, parce qu'il est rentré juste après la prière, si ce serpent a pu rentrer en moi, c'est parce que ma prière n'était pas portée. Ma prière n'était pas solide parce que j'avais peur. Et l'ennemi sait en fait. L'ennemi sait. Et récemment, j'ai assisté à une veillée de prière avec Sketch et tout, où comment on illustrait le fait que l'ennemi, le moment dans auquel l'ennemi puisse toujours attaquer nous les chrétiens, c'est la distraction. La distraction, c'est la peur, c'est le doute. Parce qu'une fois que tu termines de prier, tu es peut-être sur ton télé, tu termines de faire ta prière, sans transition, tu es sur Facebook, sans transition, tu t'occupes, tu te distrais de manière inutile. L'ennemi rentre par là pour t'attaquer. Et quand il t'attaque, ta vie est bouleversée. Ce n'est pas forcément que tu auras une maladie, mais ta vie est bouleversée. Tes choses commencent à... tout va de travers.
et tu ne sais pas comment faire. C'est lorsque tu as ton instinct te dit qu'il faut continuer de prier, d'appeler le nom de Jéhovah, que tu te rends compte que là, en fait, les choses ont bougé, parce que toutes les fois que tu vas prononcer son nom avec détermination et que tu vas vraiment appeler à l'aide, un ange va commencer à arriver. Il va combattre pour toi. Deux anges, trois anges. Si ça ne suffit pas, c'est là que le Créateur, celui qui donne la vie, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, viendra te secourir. Et là, l'ennemi sera déstabilisé. Donc, pour revenir avec du recul, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. C'est parce que j'ai eu peur, ma prière n'a pas porté. Parce que l'ennemi a senti. Et comme ce sont des choses mystiques, moi je ne sais pas pourquoi il est entré en moi, je ne dirais pas qu'il me calculait forcément, mais j'en conclus que ce n'était pas... Après, en faisant des recherches, j'ai compris, selon les personnes qui pratiquent ce rite-là et tout, qu'il y a des bons serpents, il y a des mauvais serpents, un peu comme les sirènes et tout. Mais personnellement, moi, je me dis que c'était un mauvais serpent, personnellement. Que ce serpent-là était là pour détruire les autres. Peut-être là pour élever sa famille, ses maîtres, mais pour détruire et de servir. Et que nous, nous, le voisinage, nous servions de repas. Nous lui servons de repas. Donc, ce que j'aimerais dire à cette sœur, c'est que tu ne peux pas vouloir te suicider si tu n'as rien fait, en fait. Si tu te suicides maintenant, Dieu va te le reprocher. Ne te suicide que si tu sais que tu as frappé à toutes les portes, que tu as tout fait. Et si Dieu reconnaît que tu as tout fait, il ne pourra même pas te permettre de te suicider. Il n'y a jamais de situation dans lesquelles Dieu permet qu'on puisse se retrouver sans solution. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Si tu fais un récap, je suis sûre, si tu fais un récap dans ta vie, il y a quelque chose que tu... Il y a une porte que tu as ouverte de manière volontaire ou involontaire. Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que de rendez-vous. Tu as peut-être, comme toi-même tu reconnais, tu étais... Ce n'est pas forcément quelqu'un que tu connais. Le monde est rempli d'esprits bienveillants et malveillants. Comme tu le dis, tu n'étais pas dans Dieu, tu n'étais pas dans Christ. Et à ce moment-là, tu étais peut-être... tu étais accessible et l'ennemi passait par là, il t'a pris. Il t'a pris. Mais ma sœur, je veux te dire quelque chose. Ne prends pas position sur quelque chose que tu n'as pas expérimenté, que tu ne connais pas. C'est quand même... et je pense que c'est la réflexion un peu de tout le monde au Gabon. C'est quand même bizarre. Hein? C'est vrai, les expériences des autres nous enseignent, mais les expériences des autres ne nous demandent pas de prendre position ou ne nous obligent pas à les accepter comme étant des vérités absolues. Dans toute chose, il y a le bien et le mal. Il faut toujours prier dans tout ce que tu fais. Quand on demande à Jésus, à Dieu de prendre le contrôle, d'être au centre de notre vie, vous pensez que ça voudrait dire quoi pour vous? C'est que même lorsque tu cherches la guérison, même lorsque tu vas aller chez voir un ganga, demande, mets-toi d'abord en prière et tu demandes à Dieu de te montrer, de te donner le discernement, de t'envoyer un signe. Je ne dis pas aujourd'hui que ce ne sont pas les pasteurs qui ne sont pas bons, ce ne sont pas les églises où tu es parti qui ne sont pas bons. Il y a quelque chose qui fait que qu'il n'y ait pas exaucement. Il y a quelque chose qui fait que ta prière, parce que la prière, une bonne prière, est l'exaucement et la résultante d'une bonne prière. Une prière sincère, une prière. Je ne vais pas te dire, oui, il faut avoir la foi parce que je sais que tu l'as. Mais c'est quel genre de foi? Est-ce le réma,
la foi que l'on a déjà, qui nous permet de savoir que Dieu existe, de nous attacher, ou la foi exceptionnelle que seul l'Esprit Saint peut placer en nous, cette foi qui déplace les montagnes. Aujourd'hui, moi, j'apprends, c'est vrai, je suis un bébé spirituel, mais j'apprends, je continue d'apprendre sur le comportement de Dieu, sur comment prier. Souvent, on prie, mais on ne prie pas bien. Et la prière est une chose, elle doit s'accompagner après d'actes. On parle souvent d'actes de foi. Tu ne peux pas, par exemple, un chômeur, tu ne peux pas... Et il faut arrêter d'être religieux, mais il faut être spirituel. Tu es chômeur, chrétien, tu ne peux pas dire que tu vas juste prier, parler en langue et ne plus rien faire, ne plus rien tenter et espérant que Dieu te donne le miracle, c'est-à-dire le travail que l'on t'appelle juste comme ça, sans avoir déposé quelque part un dossier. Vous avez mal compris, si c'est ça, vous avez mal compris alors la notion de miracle. Il faut une base. Donc, c'est tout pour mon histoire concernant le serpent. Et finalement, c'est ce guérisseur-là qui me l'a enlevé. C'est ce guérisseur-là qui me l'a enlevé. Il a fait des potions que j'ai bu, c'est parti. J'ai continué dans la prière, j'ai continué à aller faire, aller à l'église, on a continué. Je n'ai pas laissé cette prière. C'est là que j'ai réalisé que ça dérangeait. Lorsque tu pries pour ta vie, lorsque tu pries pour les personnes proches que tu connais qui te persécutent, c'est en fait toute l'armée démoniaque que tu persécutes à ce moment-là, c'est-à-dire les vieux sorciers de ton quartier, ton vieux voisin sorcier que tu persécutes. Je n'avais personnellement, et j'en suis sûre, je n'avais rien, je n'ai aucun lien, je n'avais aucun lien avec ce serpent, aucun lien avec cette famille. Donc, c'est tout ce que moi je peux te conseiller. Waouh! Vous avez entendu ça? C'est extraordinaire. Ce monde comporte beaucoup de problèmes. Vraiment, mes frères et sœurs, soyez vigilants. Que Dieu nous garde.